très changé. Mais on n'en est pas là. Des positions litigieuses. Il a très bien anticipé. Attention, Pandjouelli très à l'aise. Pour les 4 qui ont buté Vita Club. Quelle intelligence, surtout sur cette passe. Elim Pandjou pour les 4 qui ont buté Vita Club. Il a raison de célébrer. Il a raison de célébrer ce but qui peut-être va mettre Vita Club à l'abri. Et peut-être que le match aurait une autre allure à ce moment. Mais là, Elim Pandjou, il met son équipe à l'abri. Et moi, j'aimerais encore savoir qui est l'auteur de cette passe lumineuse qui met Elim Pandjou en position de 1 contre 1. Kikenga Lombo. La frappe de Pandjou! Au pied du poteau, Pandjouelli pour ouvrir la marque ici au centre, Tata Raphaël. Avec le supporter de Vita Club. Ils sont très motivés. On le voit ce tir au pied du poteau de le portier Nathan Dibou. Il n'a pas pu faire mieux avec cette balle de Pandjouelli. Devant Kapanga, il s'appuie sur Elim Pandjou, les catalyseurs. Sam Samanga, Goma Manyanga, Pandjouelli. Les bons gestes des Pandjouelli. Pandjou qui va armer la frappe. Oui, c'est ce fait. Ce coup est incroyable. Mais après, il fallait ce genie, il fallait ce geste en plus. Il fallait ce... Nous sommes de retour sur le stade des Martyrs pour le dernier virage de ce match entre Vita Club et Dofuna de Goma. Et c'est reparti pour cette explication. 0 but partout entre les deux formations. On espère dans cette seconde période, les deux formations vont tenter de marquer un but avec cette incursion intéressante de Vita Club. Directement, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Vita Club. La passe de Bangoba pour Medina Temompele. Medina dans la surface, Medina Temompele. Et oui, c'est bien trouvé Pandjouelli. La frappe de Pandjou, l'égalisation de Vita Club. Et quel travail de Medina Temompele, Jacques, qui n'a pas tremblé dans cette surface. Il trouve Elim Pandjou, un but partout. Et tous les jours, Bakounou très bien fait de la part de Bakounou. L'arbitre laisse l'avantage. Il faut trouver Kika. Il faut trouver Kika. Non, Pandjou qui continue. Et voilà. Quand le talent s'exprime avec beaucoup de précision, c'est un génie, Elim Pandjou, le catalyseur pour mettre par terre le cercle sportif Don Bosco. Dans ce match réuni de la 11e journée, ici au stade des Martyrs. Quel travail face à Mwanda Nzambe. Et vient juste piquer la balle. Moi j'allais donner la passe à Kika, mais Elim Pandjou est un génie. Il a bien géré et ensuite supprimé Mwanda Nzambe. Donc il vient totalement. Elim Pandjou va donc dévalider toute la belle prestation de Mwanda Nzambe avec ses dribbles pour inscrire ses buts. Toute la belle prestation de Mwanda Nzambe. Côté Vita Club. La passe de Kika Mushikira pour Pandjouelli. Elim Pandjou. Pandjou. Le troisième but de Vita Club. Le catalyseur Pandjouelli. Edouard Apataki, le centre d'Apataki. Le deuxième but de Vita Club. Quel travail d'Apataki.
Marie-Edouard, touche au centre et Pantueli. Il fait racheter la conclusion de cette action. Avec seulement le joueur des Renaissance sont en train de regarder Apataki dresser ses centres à la direction de Eli Pazou. Et là, ça paye cash. Le bon vol qui s'est beau, il ne peut rien sur cette aïe, action. Aïe aïe aïe. Juste... Le contrôle de l'égard pour Eli Pazou. Eli Pazou le catalyseur pour ses 4 envies de Vita Club. Belle connexion de jeu entre les Gatanga et Eli Pazou. Pazou qui travaille. Pandou face à Belali Kofaka, contre pied parfait. Pandou Eli pour ouvrir la marque. Sur ses pénalties, bien exécuté. Et trompe les gardiens Belali Kofaka. Aroma, il est timide. L'opportunité de Pandou Eli. Et donner l'avantage à Vita Club. Eli Pandou qui s'élance. Eli Pandou, eh oui, le second but de Vita Club. Inscrit sur ses pénalties très bien transformés par Eli Pandou. À la... Pour Dombo Mike, le centre de Dombo Mike. Attention, Pandou Eli, très à l'aise, il contrôle toujours le ballon. Il touche Dombeto qui est à loin. Le deuxième but de Vita Club. Très plein contre lui, regardez, il prend l'information, petit dribble. Et derrière, il donne à, il remet ce ballon à Dombeto. C'est enroulé magistral. De Dombeto. À toi là, je disais qui viennait. Belle relance, attention avec cette percussion. Il est dans la surface, il trouve son coéquipier et la tentative. FC des Mouniens. Ballon perdu. Ballon perdu, Eli Pandou, il touche les gars Kanga, et les gars, et les gars Kanga pour les 4 en bout. Mia Panga, ballon perdu. Eli Pandou dans la surface, la passe de Pandou, le contrôle, et les passes en bout de Vita Club. Bon, vas-y, elle a voulu mettre la dapo. Ballon perdu, Eli Pandou. Pandou, Pandou face à Thibou. C'est bien combiné avec Imana Lotte. Eli Pandou, les dans surface. Pandou, le centre de Pandou. Pour Kika Bouchikira pour la réduction pour du score. Peut-être. Kika Bouchikira, côté Vita Club. Cette belle combinaison entre Imana Lotte et Eli Pandou. Et là, Kika n'a qu'à placer son pied pour mettre ses. Mettez le doigt. Pandou, Eli. Le centre de Pandou. Là, là, là-bas qui passe, Ikanga Lombo Capella. Le centre de Pandou, Ikanga Lombo. C'est aussi une belle génération de Sangabalégué avec Tomo et les Eki ou encore Robert Wilagi. Voilà. Attention, la percée, la passe, Mbiala encore. Sur l'eau et. C'est très bien pour lui, c'est très bien pour son équipe et surtout, c'est très bien. Et l'Impanzu, la passe d'Impanzu à Ikanga Lombo Capella, Ikanga Lombo. Le centre de Joyce Samampeko. Oh, c'est boxé, attention, Panzu, les crochets d'Impanzu qui frappe. Je crois, est-ce qu'il a joué dans la précipitation de Panzu et Eli. Panzu et Eli.
Kabushikira, il va tenter de trouver un point de jouer à toute vitesse. À la lutte avec Lombardi, il va percer. Et oui, il est dans la surface, la passe de Imanalote. C'est pour Elim Panzou de l'autre côté. Panzou face à Ferdinand Mukandila. Le centre en ras. Une tête mazembienne qui va sortir la balle. La lampe des joueurs. Normalement, et la vitesse. Et Panzou élu le centre des Panzou. Ikanga Lombo, la tête. Elim Panzou. Ça n'a jamais été aussi facile hein, de marquer un doublé dans un classico. Et là... Nipanzou. Panzou face à Junior Lombangui. La passe de Panzou. Et oui, Sam, il y a l'appel des. Panzou Eli. Panzou. Panzou face à Thibaut Rajabou. Eli Panzou. Panzou encore. La frappe de Panzou Eli. FC Coton du Bénin. Elim Panzou. Panzou, très bon geste de Panzou qui supprime donc. Oh là! Quel missile de Elim Panzou! Mais avant, c'était ce très bon geste. Les cours de match, ces joueurs de Céleste, parce que rien n'est encore totalement fini, mais ça devient compliqué. Le centre de Pantueli, la tête de Kélé. Oh là là, le ballon a été renvoyé, il n'y a plus Steve l'arbitre. Et oui, le but de Vita Club, je crois, l'arbitre qui valide, le but est validé. La passe. N'est pas bien ajusté, c'était un gâchis pour Elim Panzou. Elim Panzou qui perce le centre.